Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Mock Trooper pour ceux qui ne savent pas lire. Et oui, c'est marqué ici, c'est comme le port salut, colis envoyé par Franck. Merci Franck, à tout de suite. Alors Franck, comment ça s'est passé? Alors je remercie Franck mille fois. J'avais loupé la vente quelques minutes près, j'ai pas pu avoir mon recon. Malheureusement, donc j'étais un peu triste, et puis j'en ai parlé sur Facebook, sur le Mortal G Family, et je savais que Franck cherchait un Grislore, donc moi j'avais un Grislore qui traînait en double, et je lui ai dit, bah écoute, c'est génial, alors il m'a dit, si tu cherches Rockwatch, bah écoute, on fait un échange avec Rockon et Grislore. Donc on s'est envoyé chacun un petit colis, bon moi j'ai mis une petite surprise qui me restait de Planet Hollywood, un petit cadre sympathique. Une vraie photo qu'il y avait aux planètes. Donc, envoyé par Franck Torino. Voilà, en personne. On va déballer ça. Regardez-moi, ça c'est du bon emballage. Ça, c'est pas de l'emballage Amazon, ça. Ou Mattel Création. Regardez. Du papier. Regardez. Tac, encore des trucs. Du carton. Alors, un carton pour caler en dessous. Le truc, c'est un truc costaud. Un petit message sympa, bonne réception poto. Salut Marc, voici mon Rockon Origin. Bonne réception, j'espère que tu auras une petite pensée à moi. Mais évidemment que j'ai une petite pensée à toi, mon Francky. C'est une énorme pensée à toi. Et évidemment, amitié Franck, voilà, ça fait zizir. Comme dirait l'autre, c'est ça l'amitié, c'est ça l'entraide. Voilà, ça permet bah, de ne pas se faire allumer parce que celui-là, sur Vinted, il est vendu une de blind. Et grâce à Francky, je l'ai. Et puis bah, lui, pareil pour Grislore. Maintenant, il l'a. Tout simplement. Il m'avait dit, Franck, que malheureusement, il n'y avait plus de Brown Box avec la figurine dedans. Et oui, donc là, j'ai l'impression que maintenant, aïe, c'est que ça a commencé. Donc là, j'en ai reçu aussi un autre. Donc ça, c'est une autre figurine origine que je viens de recevoir. Maintenant, il n'y a pas de détails et on sait même plus ce qu'il y a dedans. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que la Brown Box, faut pas oublier que c'est fait pour l'expédition, pour protéger la boîte d'origine. Donc c'est vrai que s'il y a la figurine avec ce qu'il y a dedans, bah c'est craignos parce qu'on peut se faire voler. Donc petite astuce, si jamais vous voulez avoir chez Mattel Création ou chez d'autres fournisseurs, commandez pas une pièce. Pareil sur Amazon, hein. Vous commandez 2-3 pièces quand vous pouvez, alors surtout quand c'est des trucs comme ça collector. Vous les revendrez au pire au prix de l'achat. Au mieux, bah, vous faites une petite marge. Moi, ce que je fais en général, par exemple, c'est que je compte les frais de port dans la figurine, que je divise par deux. Puis, bah, comme ça, les frais de port sont divisés par deux. C'est 10 euros, 5 euros chacun. Si j'en ai pris 3, bah, je divise par 3. Voilà. Si jamais la figurine, elle vaut très, très, très cher, bon, bah, je fais une petite marge dessus. Et si jamais, bah, il y a un copain qui la cherche et qu'il y a quelque chose que je cherche, et bah, on fait un échange. Et comme ça, tout le monde est content. Allez, on va déballer. Donc, il y a un insert en carton dedans pour que la figurine ne bouge pas. Tac. Donc ça c'est plutôt cool et j'avais pas fait attention. Donc le Rockon maintenant il est en collector friendly. Donc là évidemment une punchhead et avec la possibilité de l'enlever et de le remettre. Ça j'aime plutôt bien ce genre d'initiative. Comme ça on peut faire une review. Comme par exemple en fait moi tout ce qui est Mattel Création je le garde dans la boîte. Alors parfois quand j'ai ouvert la boîte et que c'est pas une boîte collector friendly, vous allez vous appeler ou vous contacter. Manga Mania Brie, je vais mettre le lien ici. Et eux, ils vendent des boîtes en plastique pour remettre. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, si vous voulez voir, sur un figurine Origins où j'ai montré comment on remet si on n'a plus le bulle, si on voulait garder, etc. Donc là, moi, je me permets de le déballer pour vous. Et surtout, je vais pouvoir le remettre dedans. Donc évidemment, c'est un caillou qui se transforme. Voilà, comme ça vous faites le rapprochement entre le dessin animé, la figurine. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Rockon qui se transforme, voilà, avec son blaster qu'il a dans la main, mais qu'il peut avoir aussi normalement, je pense, sur le beat comme le vintage. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'il y a des figurines Origins qui vont arriver bientôt. Exemple, celui-ci, que j'attends aussi. Alors, je ne suis pas grand fan de cette figurine, mais bon. Elle est charismatique de l'époque. Alors regardez, il suffit juste de tirer. Derrière, on a une petite BD. The Spear of Eternity. The Spear, la lance de l'éternité. Donc ça pourrait être une arme fatale, une arme légendaire. Donc là, on a Rockon et d'autres personnages. Et oui, Jamie.
Parce que dans les trois figurines rocheuses qu'on peut voir dans la série, il y a Stondar, Rocon et Grinata de la planète Primus. Donc lui, c'est un héros du bien. Ah, regardez qu'est-ce qu'on voit là. Oh là 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 là. Alors là, si on a le château Shira Origins, les gars, je pète un câble. Une, parce que je vais le foutre où? Déjà là, j'ai le château éternel. Je sais pas ce que je vais mettre. Il rentre nulle part. Voilà. Ah, bah, je suis obligé de le prendre. Donc magnifique. Donc Rockon ou Rockoon, je sais pas ce qu'on vous dit. Rock, c'est rocher. D'accord? Et Con, ça pourrait être canon, canon. Donc Rock Con, le canon, le rocher canon, propulsion, cocheteau, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, on le sort gentiment, parce que moi je vais en remettre dedans. Donc j'enlève tous ces petits trucs là. On peut pas présenter Rock Con sans présenter le Rock Con Vintage. Alors je vous avoue que c'est assez bluffant. Pourquoi? Bah, parce qu'ils font quasiment la même taille. Voilà, le dessin est vraiment super identique. Donc là, ils ont fait du copier-coller. Voilà, en rajoutant bah, tout ce qui est articulation. Voilà, donc regardez le visage, le scut, les couleurs. Tout est hyper similaire. La différence, ça va être l'arrière, où le côté brillant de sa carapace est un peu plus présente. Mais ça, après, ça peut être un détail en fonction des vintages, hein, parce que la peinture s'était fait un peu à l'arrache avant. Donc, des fois, pour un Rockon, un peu plus peint là, un peu moins. Donc, moi, c'est surtout le dos qui était peint. Et là, on a vraiment toute la partie arrière qui est de la couleur de notre figurine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dans l'ambiance vintage, c'est-à-dire qui fait quelque chose. Donc, j'ai entendu des gens qui n'arrivaient pas à le transformer. Donc, d'abord, je vais vous montrer la vintage. La vintage, donc elle avait donc, le pistolet qu'elle a, qui se mettait ici, paf. Et la transformation, c'était assez simple. Hein. Tac, 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 voilà. On emboîtait tout ça, et on avait un caillou avec son blaster. Et regardez, on avait un vrai caillou. Donc, transformation hyper simple. Maintenant, on va voir lui. Donc là, on peut lui mettre dans la main. Le chimélublique. Est-ce qu'on peut mettre le chimélublique dans la main? Est-ce que ça se démonte d'ailleurs ces carapaces-là? Non, ça se démonte pas. Donc, est-ce qu'on peut mettre les chenilles bibliques dans la main? J'ai pas l'impression que c'est très pratique. Par en dessous. Bon, c'est pas hyper pratique. On peut pas mettre le blaster comme on veut. Ça, c'est un petit peu merdique. Faut le rentrer là. Enfin, ils auraient pu nous faire un truc un peu plus quali sur la tenue du blaster dans la main. Ici. Bon, ça tient. C'est le principal. Donc maintenant, on va le transformer. Donc, on enlève le blaster là. Est-ce qu'il faut le mettre au centre comme avant? Est-ce que c'est aussi efficace que le vintage? Alors, moi, je vais dire un petit peu moins. Voilà. Parce que on voit, par exemple, ici à l'arrière, on voit un peu son cucu. OK? Ses couleurs orange. C'est pas très, très beau. Voilà, OK? D'accord. Il y a du jeu partout. On ne peut pas vraiment le coller. Mais bon. Une figurine Origins qui reprend goodies du vintage. Donc là, on va pas se plaindre. Vous voyez, c'est joli. Maintenant, si on doit comparer avec le vintage, bah, c'est beaucoup moins compact. Là, on avait vraiment le petit cucu qui était bien gris, caché, etc. Là, on voit quand même son trou de balle orange. Maintenant, le côté mieux, c'est tout simplement que bah, c'est articulé. Donc, une fois qu'il s'ouvre en figurine, on va pouvoir bah, tourner un peu le bras ici si on veut, tourner le pied ici qui est articulé aussi. Alors, même si on va être un petit peu limité. Donc le blaster vintage, il est là. Et le blaster Origins, il est là. Donc déjà, ça tient moins bien que l'autre. Après, le blaster est quasiment identique en termes de forme. Donc la poignée est un peu plus grande sur le Origins. Ok. On avait une croix avant. Pour le mettre sur le torse. Et maintenant, c'est un rond. Et l'espèce de chargeur qui est en dessous est identique. Voilà. Donc, à part la couleur et le fait que ça tourne un peu plus que la version vintage, à la rigueur, c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'est au mieux de le mettre comme ça si on veut le mettre droit. On tourne la main comme ça le côté. Finalement, un peu comme le vintage d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est l'astuce. Voilà. Pour pouvoir faire ce qu'on veut, comme ça, vous tournez la main sur le côté. Tac. Et là, vous pouvez le tourner comme vous voulez. C'est une figurine à avoir forcément quand on collectionne la gamme Origine.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.